Petite précision, je dis mammifère des gradins. Votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Ah oui, quand même. Rester jusqu'à 10 minutes sous l'eau sans respirer. Et ces clés de la maison qu'on perd une fois sur deux, on les retrouvera par écholocalisation en transmettant des ultrasons par cette partie frontale et arrondie qu'on appelle le pelon. Croyez-moi, avec un radar pareil, même une sacoche ne nous échappera plus. Je reviens. Bon, mon ordinateur est fichu. Et pas mon téléphone, ça s'arrose. Allez, je passe l'éponge. Vous savez pourquoi nous avons inventé le smartphone en Philippe? Parce que demain, à l'image de Kouama, Ellie, Femke, Beauty, Aya, Cecil et la petite Maya, les humains vivront dans l'eau, en parfaite harmonie. Ou pas, oui, il ne faut pas rêver. Si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphin et Otari ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. C'est deux mondes à part qui ne fréquentent pas les mêmes soirées. DJ, s'il vous plaît. Thank you.